Nous sommes venus pour sonner la trompette de repentance. Nous sommes venus pour sonner la trompette de l'avènement du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, sache aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime. Comme il a dit dans ta parole, comme il a dit dans sa parole, dans Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime et il veut sauver ton âme. Jésus t'aime. S'il ne nous aimait pas, il ne devait pas accepter ses mécrits, il ne devait pas accepter les mécrits. S'il ne nous aimait pas, il ne devait pas accepter quand le tape avait des vierges. Il ne devait pas accepter quand le tape avait des vierges, quand on met les vierges sur sa tête. Mais Jésus, parce qu'il nous aimait, il acceptait les tortures. Il acceptait quand le tape. Il ne sait pas justifié. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Ton papa t'aime. Ton roi t'aime. Ton sauveur t'aime. Et il veut que tu tiennes à lui. Il veut que tu tiennes à lui. Ma femme, ma soeur, comment tu peux t'en foutre de ce Jésus qui a coulé son sang, qui s'est offert un sacrifice pour toi? Comment tu peux rejeter ce Seigneur Jésus qui a accepté, mon frère, la main crucifiée pour toi? Qui a accepté la main crucifiée pour toi et moi, mon frère? Comment tu peux t'en foutre de ce Seigneur Jésus qui a accepté verser son sang, qui s'est offert un sacrifice sur la croix pour toi et moi? Ma frère, ma soeur, Jésus a coulé son sang sur la croix pour toi. Jésus a coulé son sang sur la croix pour toi et moi, mon frère. Réponds-toi. Réponds-toi quand les temps sont finis. Et il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 3, le verset 3. C'est car si un homme ne naît de nous, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît pas de la parole de Dieu, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et il a aussi dit dans Jean 3, le verset 20. Oui, beaucoup aiment les œuvres des ténèbres. Beaucoup aiment le mensonge. C'est pour cela qu'il aime la lumière. C'est pour cela qu'il aime Jésus. Mais il ne vient pas à la lumière parce qu'ils ont peur que les œuvres soient dévoilées. Parce qu'ils ont peur que les œuvres soient dévoilées. Mon frère, Jésus-Christ t'aime. Si tu viens à Jésus, mon frère, tu auras tout gratuitement. Si tu viens à Jésus, tu auras tout gratuitement. C'est seulement le souffle de vie que Dieu nous donne, que c'est une grande bénédiction. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Cherche le royaume des cieux, comme Jésus a dit dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous demanderez sera donné par-dessus tout. Et il dit ceci, j'ai mis devant vous deux chemins. Le chemin de la vérité et le chemin de la mort. Le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. Le chemin étroit et resserré. Et le chemin qui mène à la perdition. Quel large et facile à entrer. Mais Jésus te conseille, ma soeur, mon frère, Jésus te conseille en cette soirée, Jésus te conseille pendant ce moment de choisir le chemin de la vérité. Chacun rendra compte le jour de son jugement, de comment il a pratiqué, de comment il a pratiqué ses œuvres, de comment ses œuvres ont été. Si ça a été mal, tu connais là où tu vas partir. Si ça a été bon, tu connais là où tu vas partir. Il a dit, c'est ainsi la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ainsi la voix de Jésus qui crie à toi aujourd'hui. Épanouissez vos sentiers. Préparez le chemin de l'époux. Préparez le chemin de l'époux. Épanouissez ses sentiers. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit aujourd'hui de te préparer. Jésus veut, toi épouse de Jésus, toi élu de Jésus, que tu te prépares pour son avènement. Car aujourd'hui, nous sommes venus pour rassembler les élus de Dieu. Nous sommes venus pour rassembler les élus du Seigneur Jésus-Christ à l'avènement de Dieu. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu seras parmi son épouse? Est-ce que tu seras parmi ses élus, ses choisis qu'il est venu chercher? Ma frère, ma soeur,
mon frère, ma soeur, réponds-toi. Répondez-vous, Jésus vous aime. Répondez-vous, il veut sauver vos âmes. Ce n'est pas pour rien que nous avons été dit à toi, ma soeur, mais c'est pour te libérer. C'est pour sortir ton âme de la captivité. Et c'est pour cela qu'il faut que tu l'acceptes. Mon frère, ma soeur, tu as ta vie depuis tout ton arrêt. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus peut aujourd'hui. Si tu l'acceptes, il peut aujourd'hui te libérer. Réponds-toi. Mon frère, c'est en Jésus qui a l'amour. Ma soeur, c'est en Jésus qui a la paix, le bonheur. C'est en Jésus qui a la réussite. C'est en Jésus qui a la victoire. Le vrai bonheur est en Jésus. Et il a dit ceci. Si tu viens à lui, dans le psaume 27 verset 10. Car si mon père et moi-même m'abandonne, l'éternel me recueillera. Mon frère, si tu viens à Jésus, et que ta famille, et que tes enfants, et que ton mari, et que ton grand-père, mon frère, ma soeur, tu laisses tout cela. Jésus, lui, va s'occuper de toi. Car Jésus est ta vraie famille. Jésus est ton vrai père. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui que les temps sont finis. Jésus te crie aujourd'hui. Jésus crie aujourd'hui à toi. Entends sa voix. N'anticipe pas tes oreilles. N'anticipe pas ton cœur. Mais entends sa voix aujourd'hui. Comment il te dit, réponds-toi. Comment il te dit que les temps sont finis. Les temps sont finis, ma soeur. Les temps sont finis, mon frère. Mon frère, Jésus nous accorde encore la grâce de nous repentir en nous donnant encore le souffle de vie. Mon frère, réponds-toi, les temps sont finis. Ma soeur, réponds-toi, les temps sont finis. Jésus veut te, délivrer. Jésus veut te libérer de la captivité. Il veut libérer ton âme, car lui, il est ton créateur. Mon frère, réponds-toi. Réponds-toi. Jésus a dit ceci. Pourquoi changer la vérité en mensonge, le mal en bien? Ma frère, et ils adorent la création, le du créateur. Si tu te reconnais, c'est le moment de te répondre. Si toi, ma soeur, tu adores la créature, au lieu du créateur, réponds-toi. Si toi, tu adores Marie, qui est la créature, au lieu de Jésus, qui est le créateur, réponds-toi. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce ne sont plus les choses de ce monde qui vont vous sauver. Répondez-vous. 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 Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin de l'époux. Épanouissez ses sentiers. Car les voies de l'éternel sont justes. Les voies de l'éternel sont véritables. Si tu viens à Jésus, mon frère, aujourd'hui tu seras libéré. Si tu viens à Jésus, tu seras délivré de la captivité. Répondez-vous. Répondez-vous, les temps sont finis. Répondez-vous, les temps sont finis. Répondez-vous, Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêt pour le ciel? Ma soeur, mon frère, posez-vous la question. Si vous mourrez ce soir, où passerez-vous votre éternité? Après la mort, il y a le jugement. Après la mort, il y a le jugement. Après la mort, tu n'en racontes. Mon frère, réponds-toi. Réponds-toi. Si tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus, cherche à pratiquer sa parole. Cherche à mettre en pratique sa parole. Cherche à le respecter. Cherche à être soumis à lui. Mais nous disons tous que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ des lèvres. Mais nous ne le disons pas par hâte. Nous ne le disons pas de profondeur de cœur. Car il dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime, il doit mettre ma parole en pratique. Si quelqu'un dit qu'il m'aime, lui, il doit m'accepter. Si quelqu'un dit qu'il m'aime, il doit pratiquer mes commandements. Mon frère, est-ce que toi, ma soeur, est-ce que toi, mon frère, qui dit que tu aimes le Seigneur Jésus, est-ce que tu mets sa parole en pratique? Est-ce que tu pratiques sa parole? Est-ce que tu es soumis à lui? Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu pratiques vraiment ce que le Seigneur Jésus veut? Si toi, tu dis que tu n'es plus du monde, et pourtant tu as encore le péché à toi, réponds-toi. Et pourtant tu as encore les abominations sur toi, réponds-toi. Car Jésus dit, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il a dit dans Galates, le verset 19 à 21. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités. Ce sont les meurtres. C'est la colère. Ce sont les murmures. Ce sont la haine. Ce sont les mauvaises pensées. Mon frère, réponds-toi. Il a dit dans sa parole, dans Apocalypse 2, le 22, le verset 15. Derrière la chair, derrière les impudiques, derrière les meurtriers, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mon frère, ma soeur, si toi tu portes la faux mèche, si toi tu portes la faux cheveux, et pourtant nous savons bien que tout ce qui est faux c'est mensonge, mais toi tu mets le mensonge sur toi, réponds-toi. Le diable nous a tellement aveuglé, c'est le moment que Jésus veut déchirer ce voile. Oui, tout est accompli, tout est accompli. Jésus veut te
déchirer le voile. Revenez à Jésus pour tous habitants de Pékin 12. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Car il est encore temps. Car il est encore temps. Cette fête grâce que le Seigneur Jésus vous accorde. Il vous tend la main. Il te tend la main, mon frère. Il te tend la main, ma soeur. C'est la main tendue du Seigneur Jésus. C'est la main tendue du Seigneur Jésus. Revenez à Jésus-Christ. Jésus dit, ouais, ma créature, où sont mes enfants? Oui, mon frère, si tu sais vraiment que tu es compté parmi les enfants de Dieu, repens-toi. Repens-toi et reviens sur Jésus. Si toi, ma soeur, tu portes les fossiles, et pourtant tu sais que tu n'as pas ces fossiles, et pourtant tu sais que tu n'as pas ces signes, mon frère, ma soeur, repens-toi. Ma soeur, repens-toi. Repens-toi, les temps sont finis. Oui, mon frère, ma soeur, la parole dit ceci, dans Esaïe 16, le verset, dans Esaïe 3, le verset 16 à 24. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent à petits pas, le cou tendu. Oui, le Seigneur Jésus ôtera les boucles à les pieds qui servent ton nom. Le Seigneur rendra en infection, oui, le parfum. Le Seigneur rendra ce jour-là la tête des filles de Sion, la tête de tous ceux ou celles qui me mettent les cheveux bouclés. La tête deviendra chauve. Repentez-vous. Et elle a dit dans le verset 24, au lieu de parfum, il y aura des infections. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Mon frère, repends-toi. 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 Au lieu de porter une marque flécrissante. Mon frère, repentez-vous. L'enfer réel, ce n'est plus le moment de s'amuser. Ce n'est plus le moment de jouer. Mais c'est le moment de se repentir. Parce que ce souffle de vie, quand Jésus nous donne, c'est la dernière minute. Repentez-vous. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Épouse de Jésus, repentez-vous. Jésus crie à toi aujourd'hui. Repentez-toi, mon fils. Repentez-toi, ma fille. Quand les temps sont finis. Repentez-vous, mon frère. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous, mes soeurs. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il a dit dans sa parole dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec prudence et modestie, ne se pâlissent de crasse, ni d'or, ni de peine, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme des femmes qui font profession de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Ma soeur, comprends bien ce que le Seigneur Jésus dit. Il ne veut pas que tu te parles de crasse fantaisiste. Il ne veut pas que tu te parles de perles. Il ne veut pas que tu mettes sur toi des bijoux, des ornements d'or, des habits somptueux, des habits filimés, des collants, des pantalons. Mais il veut que tu te parles. Il veut que tu pratiques les bonnes œuvres comme des femmes, comme des femmes vertueuses, comme des femmes qui font profession de servir le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit en vérité. Enfin, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et il veut sauver vos âmes. Jésus vous aime. Et il veut sauver vos âmes. Ce n'est pas pour rien qu'il nous envoie aujourd'hui. Ma frère, repentez-vous. Repentez-vous. Jésus vous aime. Il veut sauver vos âmes. Oui, toi, ma soeur, qui porte encore les pantalons, c'est une abomination devant le Seigneur ton Dieu. C'est une abomination devant le Seigneur ton Dieu. Si tu te reconnais, sache aujourd'hui que si tu pars avec les pantalons, tu iras en enfer. Que les pantalons sont destinés aux hommes, comme il a dit dans sa parole dans Deutéronome chapitre 21, verset 2. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et l'homme ne mettra point un habillement de la femme. Quand quiconque fait ces choses est en abomination devant le Seigneur ton Dieu. Ma soeur, si tu vois un homme passer en capa, si tu vois un homme passer en jupe, tu vas crier abomination. Mais toi, femme, qui portes l'habillement d'homme, est-ce que tu es différent d'un homme? C'est une abomination devant le Seigneur ton Dieu. Repentance. Repentance, mon frère. Repentez, ma soeur. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et il veut sauver vos âmes. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus veut une église. Jésus veut une sa créature saint. Jésus veut que sa créature se détache des choses du mal. Quand le monde est déjà passé. Ce monde ici est déjà passé. Ton argent, ton code bancaire, ta richesse, ta famille, même toi-même, même nous-mêmes, nous sommes déjà passés. Repentance. Les temps sont complètement finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. S'il revient aujourd'hui,
aujourd'hui. Est-ce que tu seras prêt? Si regarde avec toutes les abominations que tu as mis sur toi, est-ce que tu seras prêt? Répondez-vous. Répondez-vous car Jésus revient bientôt.